Bizet, ce matin, j'arrivais même pas à jouer avec d'autres joueurs. Les lobbies, ça me faisait ce que ça nous fait. Ça fait C'est plaisir. horrible. Ouais, moi je comprends pas comment. C'est de la merde. Oui. Du coup, bah, vu que t'es l'ingé, choisis Voilà. de quel côté tu veux être. J'adore comment il marche. Hop, et bon. Fabricator déployé. Ah, c'est bon. Il faut que je sache des trucs ou pas parce que. Bah, en fait, là faut vraiment laisser l'ingénieur construire si tu veux, parce que bah, lui ça lui coûte moins cher. Et puis, bah, Linkroi, t'as déjà mis l'argent ou pas encore? Parce que tu peux te suicider en fait avec une grenade. Ah, bah, ah non, j'ai mis l'argent. Oh, c'est pas grave, hein. On est qu'au normal. En fait, quand j'ai placé le fabricateur avec Al, je crois que ça le. Ah bah ouais, vu que t'es à côté. Tu pourras mettre ton argent s'il te plaît, Sky? Ah, je sais comment. Faut t'approcher du machin. Voilà. Voilà. Ah, t'approcher du. Ouh. Un kilo flingue tout pourri. Oh, mais y'a que des rejetons là. Et du coup, c'est quand même faut laisser celui qui a le repérage ramasser les trucs brillants. Voilà, ouais, les trucs jaunes là. Tu tues un ennemi, ça laisse une. Ah merde. Et bah en fait si tu veux moi en fait je rapporte environ le triple quand j'y rapporte quoi. Mais c'est uniquement en cours de vague, donc c'est pour ça que quand il reste plus qu'un ennemi en fait faut arrêter de tuer, enfin voilà, faut pas le tuer pour que je puisse ramasser en cours de vague. Oui. Bah ils sont où? Ah ok, j'arrive. Mais le dernier je l'ai pas vu. Hein. Bon bah comme quoi je suis un petit peu comme Hooper et Linkroi, un peu aveugle. Bon. Il y a la plaine où j'étais. Il y a la seconde vague. Ouais. Au début, c'est extrêmement simple. Et puis sur la fin, ça commence vraiment à se corser. Bon, là, on est en normal. Donc, ce sera pas extrêmement dur normalement. On a un ingénieur. En fait, tout tourne autour vraiment de l'ingénieur et du repérage. Vu que l'argent que je récupère, enfin les énergies jaunes là. Ça, c'est avec ça qu'en fait que l'ingénieur peut construire en fait. Donc forcément l'ingénieur lui ça lui coûte moins cher et puis moi bah ça j'en rapporte plus, donc du coup on aura beaucoup de fortifications. C'est vrai que les premières vagues avec tous les petits mobs c'est un peu chiant le sniper. C'est pas évident. Jamie Paul.
c'est le dernier. Alors là, dernière. Ah, mais il y a quand même 5 énergies. Genre, j'en vois une. Ah, c'est bon. Je les vois toutes. Ouais, il me manque une, donc si vous êtes à côté, prenez-la. Machin là, il... Ah, les rachetons, sont... ils peuvent être vraiment chiens, mais ils sont bizarres. Ah, il en reste plus qu'un. Ah merde! Oh, son, il aurait explosé lui-même quoi. Oui, c'était prévu. Alors, du coup. Tu peux prendre deux modes ou pas? Alors tu peux prendre, il y a des caisses de munitions. Et puis et puis aussi des râteliers aussi. Ah oui, ouais. Il y a des caisses de munitions où je suis là. Ouais, je bosse pour le. Ouais, si tu t'appuies sur le TACOM là, ouais, tu vas en gris, tu vois. Okay. Il y en a deux en fait de caisses de munitions. De mal au début. Ah oui, puis Sky, pour marquer un ennemi, c'est clic droit sur le stick. Clic gauche, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ah merde, c'est parce que dans les vagues plus hautes, il va y avoir des gardiens ou ceux avec des drop shots, puis ils sont vraiment dangereux. Ouais. Mais on n'a pas encore vu de gardiens et de sentinelles, c'est bizarre. Normalement, ils arrivent dès la vague 4. C'est vraiment des ennemis. C'est des ennemis à marquer pour que tout le monde voit parce qu'ils sont dangereux. Okay. Ouais, et surtout quand on snipe, c'est pas très. Tu peux pas faire de headshot sur eux en fait. Donc, tu fais relativement peu de dégâts en fait. Et les caisses de munitions, elles ne repopent pas chaque vague. Alors, elles respawnent après un certain temps et au début de chaque vague en fait. Donc, juste avant la fin d'une vague, ça peut être pas mal en fait de récupérer une, comme ça elle respawnera instantanément après. Et un truc que je répète souvent, c'est que tu peux recharger ton arme dans les roues à racoler. Voilà. Okay. C'est vrai qu'on a des caisses de munitions, tu peux toujours. Ouais. Tu peux toujours le mettre ton arme dans le râtelier. Oh, oh drop shot. Oh la putain. Ouais, oh la mec, je m'en occupe. Là, il est mort. Il y a un fauve. Ah bah la sentinelle, bien joué de l'avoir marqué. Pas mon rechargement. Moi qui s'est relevé si vite.
C'est quoi? Il y a peut-être un de ses collègues qui l'a raise. J'ai récupéré les munitions. Oh merde, bon c'est pas grave. On fait pas attention. Franchement j'ai presque tout récupéré donc. Ok. Ok. Pas bien grave. Pas bien. Après toi t'es avec tes techniques t'es plus résistant hein. Ah oui, bah moi j'ai tout orienté mes sets sur ma survie. Ouais, ça aide. J'ai des gars bah, de shotgun, donc avec fusil, bah, destructeur et puis overkill. Et puis j'ai une amélioration encore. Après j'ai deux fois plus de points de vie. Je récupère de la vie en faisant des dégâts avec les shotguns. Et je récupère de la vie en récupérant des énergies aussi. Pour ma défense, j'avais pas tout ça quand j'ai joué au repérage. Hein. Ah oui, non, mais sont. Avec zéro compétence de survie, c'est quand même pas évident. Hein. Oh là. Oh merde, il y a un fauve. Drop shot ici. Oh mais joue les headshots. C'est vrai que ça s'est joué ici quand t'as cette carte de compétence Sky parce que ben comme tes ennemis explosent quand tu leur fais un headshot, ils sont vraiment surpuissants. Attention, il reste plus que 4. Allez, il y a joué quelqu'un. Je me suis auto-tué avec mon lance-grenade. Drone à terre. Il en reste que deux, faites gaffe. Il reste plus que la sentinelle. Ouais. Mais vous pouvez commencer à la tuer, il reste plus qu'elle comme énergie à récupérer. Oh merde, l'énergie est à spawn de l'autre côté, bon tant pis. Est-ce que je vais commencer à ramasser les grosses armes? Du coup, moi t'as une sentinelle où Sky elle est toujours. Ah, puis du coup, Sky, je sais pas si t'as vu où sont les râteliers. J'en ai mis un dans la cabane. C'est ça, hein, si jamais. Bon, actuellement il y a qu'un seul emplacement. Ouais, et en fait, quand t'as une arme qui a pas beaucoup de munitions, tu la mets et puis il la recharge en munitions. Elle se recharge. D'accord, ok. Faut pas oublier, c'est vraiment utile. Ah, typiquement, s'il n'y a plus de caisse de munitions et tout. Bah. Là d'ailleurs, je prends un autre. Non, je crois. Pas grave. What? Je suis à terre. Oh là là, je suis loin. Merde, je me fais bouffer. Si quelqu'un peut s'améliorer. Il y a le drop shot qui va me faire un. Oh merci. Il joue trop fifou. Merde, faut. Ne peux pas me lâcher. Salope. Pour le gardien, comment ça va être chiant. Oh, du temps. On dégage. Ouais, il reste la sentinelle et un autre.
final je vais prendre. Ah, en fait il reste deux de ces machins. Ah nickel, j'ai récupéré toutes les énergies, bien joué. Après moi j'aime pas la volée arcade, je peux faire le triple tir. Bah moi aussi tu vois, parce que c'est plus précis ouais. Après la volée R4 faut prendre le coup quoi en fait un peu. Du coup moi je vais recharger. Mais c'est que des volées arcade. Ouais y'a t'as pas de chance. Si tu veux une triple tir, on a pas eu de sentinelle. S'il y a un drop shot pour celui qui veut. Du coup du pognon. Ah. Et toutes les vagues si jamais ce qu'est c'est des vagues boss. Donc là c'est la dernière vague avant la vague boss. Et à chaque fois ils vont devenir de plus en plus forts après, après chaque 10 vagues il me semble. Voilà c'est ça. Ils vont avoir plus de précision, plus de vie et plus de force. Oh saloperie. Ok. Donc j'ai passé les râteliers niveau 2, donc il reste 2 emplacements libres. Oh parfait. Fais gaffe, il doit avoir un drop shot à quelque part. Ouais je l'ai, il est marqué, voilà je l'ai. Bon il est mort. Il en reste plus que 4, 3. Alors tuer les ennemis chiants, récupère les énergies. Allez, un triple tir par pitié. Non, c'est encore un volet de merde. C'est fou, il n'y a pas de triple tir. Pour espérer pour la les prochaines vagues. Du coup. Ah, il y a des énergies tout au fond. J'aurais pas fait gaffe. T'as besoin d'un du destructeur ou quoi? Ok. Ah bah cool. Non. Ouais il me manque quelques balles. Hop. Ah c'est la volée boss. La volée boss. La volée boss. Je vais te mettre presque 13 000. Bon allez hop. Ouais. Attends je vais sortir une deuxième tourelle manuelle. Oh merde quel... Oh la cour de touche encore, nom de Dieu. Oh il est cumeur, il est déjà à droite. Le boss. Ouais, il a retop non? C'est possible. Il a retop. Non, pas de mon nom. Oh! Drop shot qui m'a mis une tête, je suis à terre. À gauche. J'arrive. Ah c'est bon. Ah, bon. Ah il a pas respawn. Encore mais une sentinelle de merde. Bah. Putain je tire dans les champs là. Voilà. Il reste plus que deux, attention. Ouais, il reste. Bah, ouais, ils sont tous morts. Bon, j'avais récupéré l'essentiel. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, ils auront tous maintenant. Bah, en fait, c'est comme si on va recommencer les 10 premières vagues Sky, sauf qu'ils auront deux fois plus de santé. C'est pas la précision en premier? Il me semble que c'est la santé en premier. C'est la santé en premier.
Ouais, et puis la précision, c'est ce qu'il y a après, ah ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, bah les points de vie. Les dégâts qu'ils font. Les dégâts. Les dégâts, et puis après, les 10 dernières vagues, c'est les trois premiers trucs en même temps qui augmentent. C'est pour ça que les dernières vagues sont vraiment difficiles. Je vais t'apporter 16 000 en AG préféré. C'est long. Ça me va. Salaud, Sky, toi, GG. Ouais. On a fini ça quand le week-end passé, j'aurais dit, non? En début de semaine. L'avantage, j'ai pas fait un solo des guilleux. Après, le ouais. Le premier solo du premier jeu, il était cool. Bah, je trouve. Franchement. Je trouve que le solo de Gears 4 c'est franchement le plus pourri des 3. Si on excepte si on compte pas Judgment. Je trouve que c'est vraiment. Bah en fait il se passe vraiment ma que dalle en fait finalement. Tu vois, toujours dans le 1 la phase avec les berserkers là que tu devais attirer pour les sortir dehors et tout. Ouais, c'est énorme, c'est très stressant surtout. Bah voilà. Bah, y a pas quoi dans le 4, y a pas ce genre de phase un peu originale. Enfin, y en a quelques-unes, mais sinon ça durera à peine 2 minutes, puis voilà. Je suis la vache. Voilà les renforts ennemis. Ça donne pas envie. Après, bien sûr, si tu pouvais jouer à 2 avec quelqu'un, franchement, c'est. Genre, si Didis prend le jeu, bah tiens, ça va être marrant. Mais en solo, ouais, c'est pas incroyable. Bah tu je te mets un râtelier ici là, ligne 3 devant. Bah pour l'instant j'aimerais savoir autre chose que la volée arcade. Ça va faire comme dans l'autre partie avec le port, il va avoir 10 000 volées arcade qui traînent à l'arrière. J'en ai mis un là, j'en ai mis un devant là, devant la cabane. Ici là si tu veux. Où tu es? Tu me vois là? Ah, il n'y a plus qu'un ennemi donc. C'est bon, moi t'es pas obligé de faire là. Du borne. Bon, je vais en sortir un autre. Ah, ils sont en haut. Toc. Allez, il va se faire tuer par la tourelle. C'est pas grave. Bah, il me restait 2, je crois, de toute façon. Ah, bah, 2 plus 8, 3. Toujours pas de triple tir ou au moins une gatling normale. Bon, non, les deux premières vagues, il n'y a pas de sentinelle gardien. Ça va venir après. Je vois pas les deux dernières énergies par contre. Ah, elles sont tout au fond de la map. Je sais pas, ouais, j'aurais dû regarder avant. C'est pas mal. Attends. Il y a une sentinelle. T'es mis, attends. Bah attends, bouge pas. Ingro. Je suis derrière toi là. Je mets le râtelier ici là. Ah tu parfait. Moi je me tiens dedans dans ce passage. Bah au pire c'est en tu sais il y a les sentinelles derrière. Deux ennemis.
synergie. Ah, du coup, vous pouvez le tuer. Oh yeah. Oh, sympa, une volée R4. Pour changer. C'est rare en plus qu'il n'y a pas de... Bon, ils sont comme moins... Il y a moins de gardiens que de sentinelles quand même. Mais... C'est vrai qu'il y en est vraiment zéro, c'est bizarre. Je vais recharger. Bah attends, du coup, vu que t'es là... Comment celui-là? Ah ouais, merci. Hop. Hop. On va faire comme ça. C'est parfait. Attends, attends. Fais gaffe, là, y a un... ils peuvent passer par là. Encore hein, une sentinelle. Attends. Mais tu déconnes. Bah, du conseil, quand t'auras un triple tir, fais gaffe à jamais épuiser ses munitions. Pour que tu puisses le recharger et le conserver. Ah oui, ça c'est le piège. On va crever là. Dernières énergies, j'y vois pas. Ah, j'en vois un. Ah, ouais, je prends ça. On peut le tuer? Ouais, ouais, vas-y. Voilà. Puis il reste une énergie. Le repérage. Il y en a des fois qui sont bien cachés. Ouais ouais c'est ça. Mais déjà au moins maintenant bah on c'est écrit en haut à gauche le nombre d'énergie restant sur le terrain. Tout est... à la sortie du jeu il n'y avait pas. Et du coup c'était vraiment relou voilà. Quoi. Ah j'imagine bien. Parce que là tu stressais non-stop entre guillemets parce que t'étais là mais... Tu cherchais même quand tu en avais plus quoi. Ah là il y a des triples shots. Ah un gardien. Deux gardiens, oui. Ouais, il y a eu des triples shots. Plus. Je vais me faire plaisir là. Ah je t'ai pas là. Je pensais. Je t'ai vu essayer. Voilà. Drop shot, drop shot. Bah écoute j'en prends un. Ah tu le peux. Ah vas-y.
Ah mais j'aurais mis, comme ça t'en as qu'un seul à récupérer en fait, t'es sûr d'avoir le temps. Je suis sympa, je profite de récupérer les énergies en attendant. Je sais pas, il y a ton vieux l'autre. Je l'ai mis sur ton râtelier, donc il n'y a plus de place hein, sur le râtelier de ton côté à droite. Si j'en ai remis un, j'ai remis un râtelier. Okay. Ils ont pété une tourelle à gauche. Hein ? Ils ont pété la tourelle automatique à gauche. Oh les connards. Bon. T'es pas mauvais au sniper Sky, sérieux ? Merde. Un peu déçu. Du coup je sais pas où elle est l'autre triple tir, tu l'as trouvé ? Lincroix. Ouais j'allais pris, j'allais pris. Nickel. Il y a un lance-grenade. Ah c'est bon. Alors, il y a de nouveau un lance-grenade dans le fond, si tu peux t'en occuper Sky. Oh là là, j'ai échappé belle. Parce que là je peux avoir tous les bonus de santé possibles, c'est direct one shot. Hein. C'est pas mieux, ouais. Il y avait un autre triple tir là-bas. Ouais, en haut au milieu là. Non, je vais pas prendre un zor. Il y a un overkill ici. Vous pouvez le prendre si vous le voulez. Moi, j'utilise que le destroy en fait, porte cette main. Ouah, comment j'ai raté. Comment tu fais le fou au milieu de la map là? Y'en a partout. Merci bonus de santé. Et mais à deux fois je le tue alors qu'il a commencé l'anime de la tronçonneuse quoi. Il y a un lance-grenade au fond. Mais il y a juste un fait, tu le vois.
Parce qu'il reste quand même 1500 sur le terrain. Ah ouais, ok, alors. Merci. J'ai pas fait gaffe que c'était le dernier. Surtout celui-là, c'est un. Oula, il y a un gros là. Ah mais là-bas. Ah, il va mourir par là. C'est pas grave, il restera que lui à récupérer. Bon, moi j'ai plutôt récupéré les autres. Du coup, on est vraiment. Moi, je crois qu'on va, ça va faire comme bah, l'autre partie, hein. On aura une sichée de pognon quoi. Je crois que oui. Quoi ? Comme la dernière partie là sur port, on avait une sichée de pognon. Ah oui. Mais d'ailleurs, je me rappelle cette map. Quand on l'avait faite avec Cooper, Arclone Wolf et deux autres, hein, je me rappelle plus qui c'était. Je crois qu'il y avait Panda One. Bah. Ah, ça doit être lui, ouais. Pratiquement les 30 premières vagues, on les a fait sans aucune construction. Oui, oui, c'est vrai. Ah, quand même. Bon, c'est une map qui est considérée comme très facile. Facile, peut-être pas très. Bah, j'ai envie de te dire, à chaque. Tant que tu sais que tant que l'ingénieur sait ce qu'il fait et que le repérage fait son taf. Voilà. Voilà, les maps sont gérables. Plutôt simple. En normal. Ouais. Ah oui, en normal. Voilà, en normal. Après, en vétéran, après ouais, c'est sûr que tu commences à aller en inconcevable ou en démon. Ça va vraiment. Mais qu'est-ce que je fous là-bas alors qu'on est là avec 18 quoi. J'ai des fois des moments d'absence. Mais il est fou. Ça va, ça. Ah, il y a la découpeuse, c'est un peu moins ici quand même. Ah ouais, pas top. Ouais, je trouve franchement dans les armes drop shot, enfin des sions je veux dire, c'est clairement je trouve la plus pourrie. Oh le con. Pas trop chier Sky. J'ai pas remarqué, il a coupé son écran. Apparemment. Enfin apparemment sûrement. Il a perdu sa lame. Merde, faut que je... Oh putain, j'ai tout foutu. Oh. Oh non, j'ai bugué. Ah non, c'est bon. Ah, mais tu bugs souvent des fois. Non, mais c'est un bug qui arrive des fois à Jimmy. Moi, je sais pas ce que c'est qu'en fait, ton perso ne tient plus d'armes dans la main. Tu peux rien faire. Puis la seule manière de pouvoir rejouer, c'est qu'il te mette à terre et que quelqu'un me relève, quoi. C'est à cause du Winter Storm. Non bah Jim il est sur le sur console donc théoriquement. Pour une fois on peut pas mettre il a bon dos quoi le Windows Store j'ai envie de dire. Pour une fois. Bon. Oh là, y'a un flippator là. Un drop shot en haut. Merde, oh. Ah, j'ai les deux sions à droite. Oh là. C'est qui me tire dessus là. Ah, encore un drop shot. Bien joué.
arme. La sulfateur là, c'est parti. Lui, je vais aller prendre son arme. Et bon. Attention là. Oh, il reste plus que 4. Je vois pas les énergies là tout de suite. Les deux qui restent. Ah, une nave. T'as mis un large, je viens de remarquer. Ouais, ouais, il faut que j'arrive pas à monter le fabricateur au niveau 3, donc on va pouvoir booster un peu tout ça. Je suis vraiment bien en mine. Ah, vague boss. Donc j'ai bien deux toiles manuelles dans l'axe, hein, donc n'hésitez pas. Oh. Laisse-moi donc réparer des trucs, merci. On ne l'a jamais re-eu le Vermac, hein. Ah, c'est encore lui. On a joué une fois contre le Vermac, mais... Bon, attends, je vais prendre le truc de string, moi, je sais. Ah, pour ma part, le pire boss, c'est le Vermac. Ensuite, c'est le transporteur. Ah, le transporteur pour moi, c'est un boss assez rare. Oh, il m'a mis à terre. Bon, il m'a gobé. Ah, attends, bouge pas. C'est bon. Voilà. Voilà, allez. J'ai le drop. Ah oui, c'est d'accord. Donc j'arrive. Tu te dis c'est bon? Ouais, descends les escaliers. Toi. T'es où là? Ah ouais. Merci. Oh, joli! Pas qu'il y a fait merci. De shot là, mais... Avec le drop shot? Il reste plus qu'un, ouais. C'est moi. Joli, joli. C'était pas prévu. Du coup, oh, le dernier est là. Voilà, toutes les énergies récupérées. GG, tu fais toujours des scores de fou. Bon, ça c'est grâce au repérage. Avec Albany, on a jamais compris pourquoi avec cette classe on faisait autant de points. Oh. Bon, je veux pas dire, je m'en tiens en disant que je fais une partie normale, là j'avoue que je fais un peu le fou et puis ça paye.
je fais beaucoup de kills, donc c'est assez logique, mais quand même. Voilà, plus 21 000. Que 21 000 d'argent. Bon, du coup là ils viseront deux fois mieux, hein, tout en conservant les x2 de santé en plus. Je sais pas si tu m'entends en fait, Sky. Je pense que oui. Je suis avec que son micro vu qu'on s'entend d'eau. On lui avait dit pourtant qu'il pouvait le conserver. C'est bon. Oh mais... Après je trouve il gère beaucoup mieux que moi au niveau des snipers. Alors, en tout cas si ça lui plaît les hordes, alors c'est vrai que t'as mieux fait de t'orienter lourd et... Ah. Qu'est-ce qu'il fout ce protecteur là? Il est buggy? Ah non. What? Ah voilà, mais en plus là il fait plein de kills Sky, parce que j'ai vu il a fait un headshot puis l'explosion en fait on a tué d'autres. Il a tiré sur, enfin il a fait un headshot sur un mec, puis comme il y avait deux rejetons à côté, mais ils sont morts direct. Ah ça je l'avais pas. C'est vrai que ça a l'air énorme comme temps de précisité quand même. Surtout pour les petits rejetons qui crèvent en un coup. Ouais c'est ça. Il y a un racin ici, GG, où est-ce que je suis? Ouais, j'arrive. Justice. Merci. Je vais faire comme l'autre fois, je t'ai dit qu'un racin t'arrive puis je le prends devant toi. Oups! T'as besoin d'un autre atelier ou pas? Ou ça va aller Non, c'est beau. Merci quand bon. Même. Ouais. Reste plus qu'un, c'est un rejeton. Il y en a plein où je suis des trucs. Ouais. Je peux en prendre un. Bilin Skyuné. Du coup. C'est pas bien ça, c'est pas bien du tout. Il joue rebelle hein. Alors. Attends, il y a un overkill ici. Tailleur. Attends, hop, faut un. Puis je prends la caisse de munitions. La fête est finie, les voilà. Putain, oh, je suis encerclé de rejetons. Je
Il en reste que deux, faites gaffe. Fais gaffe, il reste plus que celui-là. Voilà. Ah, il devrait pas mourir, j'ai juste donné un coup de pied. Je devrais pas parler trop vite, mais on aura presque pu se mettre en vétéran, j'ai l'impression. Bon, on est encore pas à la fin. Ouais. Le Remter. Ah, voilà. En fait, ça me fait bien. Bon, pour l'instant, je place les tourelles de façon à ce qu'on ait quand même qu'on puisse faire quelques kills. Oula. D'accord, je comprends mieux. T'es mis les râteliers niveau 3, donc ça va te faire des 1. Parfait, merci. Des emplacements supplémentaires. Je vais en profiter pour faire passer les tourelles en niveau 3 aussi. Voilà. Ah mince, c'était le dernier, bon bah ça c'est moi qui me fais niquer avec ça. Je peux en vouloir à personne. C'est le nombre de kills que tu fais. Cela est indécent. Je la vois pas. On a des ennemis en approche. Voilà. Oh merde! C'est mort? Merci. Ouh, joli. Voilà. Du coup
dernière énergie. Si vous voyez un sulfateur ou quelque chose, marquez-le s'il vous plaît. J'ai dû le tuer, je le voyais avec son lancer s'approcher de moi. Je voulais pas le coup du tronçonnage. Salut les PD. C'est ce que Jim nous dit. Bon, c'est sa manière de nous dire bonjour. Alors cette DPZ ça donne quoi? De la merde. Tout le monde pose la question, j'aurais aimé dire oh putain c'est long, franchement c'est vraiment un des meilleurs DPZ. Mais le, au moins le gameplay et tout il est vraiment bien. Enfin le... Non mais le jeu est bien mais j'arrive pas à jouer donc okay. À partir de ça. Bah oui, c'est ça, c'est le problème. Ah, mais après, au début, tu peux jouer contre des bots. Enfin, je sais pas, moi, au début. Quand même pour jouer contre Sky. Ah non, mais alors ça, on est vraiment d'accord. Surtout pour ça, je... Attends, on était vraiment avec, c'est DPZ dans une semaine. Au final, il est sorti pour même pas s'organiser les parties ensemble. Au pire, hein, il y a Sea Office toujours. La bêta était prolongée jusqu'à mercredi. On peut s'en faire demain, on peut. Oh, oh mais... Si ça vous dit, on peut s'en faire demain. Oh ouais, nickel. Oula, y'a un... Ouais, le drop shot. Y'a un drop shot, là. J'ai eu. Ah non, c'est pas moi, mais on s'en fout. Oh, il est mort. Ici, c'est toi. Ah ouais. Oh, putain. C'était le dernier. Je voulais tellement te sauver. Ah mais j'ai fait aucun kill. Oula. Il y a une barrière là-bas qui... Oula là, oui. Il y a pas de sulfateur, rien. Il y avait un drop shot. Ici, la drop shot si tu veux. Ouais, si, Et sinon, non, il n'y avait pas de sulfateur, j'en ai pas vu. Mais quel talent! Oh, t'as eu du fou là! Attention, drop shot, putain, il va. Voilà. Oh. Oh là, tu fais mal, tu vois. Il a été tué là? Le drop est mort. Il me fait mal là. Oh putain! Ah, mais ouais! J'arrive. Ah ouais. Ah, évidemment. C'est bon, je t'ai pris ta plaque. Non, non, mais j'ai fait le tour. C'est-à-dire... J'ai tout mieux de la map. Jack, c'est que moi j'ai décidé d'arrêter de le faire là, puisqu'on commence à avoir beaucoup... qu'est-ce qu'un AG là, qui a aucune compétence de survie. Fou, là. Avec une arme de merde. Oh.
Ok, les énergies, c'est le dernier si jamais. C'est bon. Ouais, tu es là. Il y a de nouveaux drop shots M-bar un peu partout. Les M-bar, il y en a au moins 5 hein, sur toute la map. Sky, si tu veux changer de style. Attends, je vais me prendre quelques petites munitions, je crois que j'en ai vu. Ici, ici, voler. Moi, du coup, on est vraiment bien. Ouais. Ah, drop shot, j'ai marqué à gauche. Oh la vache! Il est où là? Putain, putain celui-là, il fait mal! Voilà. Oh. Ah. Il reste plus qu'un. Il y a un drop shot là si tu veux. Ligne croix. Drop shot, tu considérais comme une arme lourde? Bah en fait ça c'est considéré comme une arme explosive. Donc les dégâts de lance-grenade, si t'as ça comme carte de compétence, ça marche avec. Avec l'arbalète attention pareil. Ouais, il y a, bah, je crois qu'il y a drop shot, lance-grenade, arbalète attention et la volée RL4 qui est considérée comme une arme explosive. Donc c'est vrai que la volée RL4. RL4 c'est arme lourde. Hein. Ouais, mais c'est aussi arme explosive. Justement, c'est-à-dire que c'est abusé. Si t'as la carte bonus explosif et bonus d'arme lourde, j'imagine que ça se cumule. Alors ça, tu me mets le doute. Je suis pas certain. Bon. Bah vu que pour la plupart des choses ça se cumule, genre quand tu fais dégâts de marquage et que t'as dégâts de... Je suis un pauvre là, je l'ai marqué. Attention à toi. Il y a le drop shot, c'était mal là. Il y a un fou, va à droite. Non, je l'ai tué. Je vais le headshot là.
forteresse. Là. Deux à ma rescousse. Mais qu'est-ce que je prends cette arme? Bah attention, vague boss. Ouais, yes. Vague boss. Le verre Mac. Le verre Mac. Bah, je le préfère maintenant qu'en vague 50, pour être franc. Prends ça. Fortification réparée. J'avoue que le verre Mac, c'est quelque chose. Ici, il y a un boltoc et un drop shot à côté. Je rapporte 17 000. Je crois que je vais prendre la tourelle au début. Oh. C'est un transporteur. Ouais. Il doit être à gauche. Smash. Oh merci. Comme il pète tout quoi. Oh là là. What? Je suis à terre. Je l'ai pété à toi niveau 3. Oh là là. Détruit tout ça quoi. Ah il est mort. Il est mort. Au moins il va pas respawn, bonne nouvelle. Il a détruit mes miratelliers, j'ai même plus de triplatine. Il est tout pété. C'est clair. Je suis déçu. Il t'aime pas en fait, c'est dit ah je vais péter ces triplatines. En plus j'ai vu des sentinelles de nouveau. Bah oui. Mais oui c'est clair. Mais oui. Ne te tuez pas, il y a plein d'énergie. Ah ouais, il y a plein d'énergie partout. Hein. Du coup, il en reste plus qu'un. Bon, oh, c'est une de 100. Ouais, c'est pas trop grave. Hein. Bon. La tristesse. Ah ben, je m'avais fait une collection, j'avais un sulfator, un triple tir. Un coupe-ci, là je survenais avec des volets de merde. J'adore ce jeu. Ce serait bien au moins juste tu m'en reconstruises un Albendi s'il te plaît. Oh, t'inquiète pas, je vais refaire le plein partout là.
Du coup, et en plus j'ai 26 000 sur moi, donc ça va te faire plus de 40 000. Ah ouais, on sera sans... Oui, oui, oui. En plus, je suis sûr qu'il n'y a même pas commencé ceux avec les volets R4. Ah non, elles sont bien protégées. Il y a juste commencé ceux avec les attends, l'enfoiré. Oh, énorme, il y a une volée R4 sur la sentinelle, bien. Ouais. Alors. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Oh putain, mais je... Ah oui, il y a une volée R4, si. Hop. Alors, tu m'as dit une tourelle, un râtelier, ici, stop. Merci, Adam. Hop. Et un... Oh mais... J'en ai ras le cul de prendre des leurres, alors je veux pas. Voilà, un deuxième, c'est le thé, ici, c'est à ce coup. Ah, il y en a pas là, tiens. On peut le tuer? Ouais, ouais. Du coup, les deux énergies que j'ai ratées, je vois toujours pas où elles sont. Oh, c'est pas la feuille du beau. Putain, 10 700. Oh là là, ça fait mal. Il arrive. Qui a été touché là? C'est bon, mais j'ai servi. Merci. Ah, ok. Oh! Oh! Ça en reste plus que 4.
c'est la bonne. Bon, normalement, il n'y avait pas de gardien ni de sentinelle lors des deux premières vagues d'une série. Attends, maintenant ils peuvent spawn. Un gardien. Sentinelle. Oh. Merde. Je fuis. Voilà. Ah ben oui, une sentinelle, merci. C'est pas là ce que tu voulais. Non, oui. Il reste plus que deux. Où sont les dernières énergies? Ah, elles sont là-haut. Ça se passe méga bien pour l'instant. Ouais, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'argent en stock. Comme ça, si on se fait niquer lors de la vague 40 à cause du boss qui nous pète pas mal de trucs, on a quand même d'argent pour reconstruire. Oui, là, oui. Ah, c'est ça, en fait, si tu veux, j'ai pas ce qu'on veut dire en vétéran au niveau de difficulté au-delà. La grosse difficulté, c'est les vagues boss, quoi. Que les Vermac, transporteurs peuvent tout péter et puis bah. Quand t'as plus aucune construction, bah t'es dans la merde. Ouais, j'imagine, t'as pas autant d'argent en fait. Oh merde! Oh non! Qu'est-ce que je fais? Parce que clairement, en normal, on pourrait. Si on joue, tout le monde joue bien et qu'on peut clairement finir sans aucune construction, quoi. Peut-être juste quelques barrières. Ah oui. Tu restimes là, sans aucune construction. Ah mais je dis pas nous, je dis vraiment si tout le monde joue comme à demi-god, je pense que tu peux finir une horde en normal. Merde. Mais il y a tellement de rush tank que mon jeu il se met à laguer là, enfin à ramer. Je change de carte graphique. C'est cap. Bon, en fait j'hésite parce que ma carte, surtout parce que en fait c'est un peu un four en fait. L'été, c'est quoi faire des jeux? Une AMD. R9 390. Ça équivaut à quoi chez Nvidia? Bah à l'époque c'était je crois une GTX 970 je crois. Ah c'est pas trop mal. Je crois. Mais ouais enfin ouais je dirais qu'elle doit être juste un poil en dessous d'une GTX 1060 quoi. Ouais je crois que c'était un. Ouais. Bon j'ai un petit doute là. Je sais que c'était le. Bah c'est ça, franchement pour jouer en full HD, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup plus. Il n'y a même pas besoin de plus. J'ai une carte, je pourrais faire plus, mais j'ai pas l'écran pro. Faudrait que. Si je devais faire maintenant du 1440. Avec un 1070, je pourrais, mais.
Ah ouais, clairement. Alors, tu vas Ah ouais, j'y suis. Oh, t'attends un triple tir, tu peux être content. Ouais. Le jeu de l'air. Ça va, viens ici, gardien, je t'attends depuis des années. Oh, c'est pas le meilleur moment pour l'air. Ouais, t'as mieux fait d'attendre la fin de la vague, je pense. Parce que le temps qui décroche proche la carcasse. Ah bah c'est bon. Merde. Oh, il y a un deuxième tir triple tir, mon cher. Yeah. Il est à gauche de notre... Je te le marque même. Oup, oup, oup. Marche, mort. J'ai explosé. Et mort complètement. Ah ouais. Ah mais complètement là. Ah bah j'ai explosé. GG le pickpocket. Encore 4. Comme ça. Merci. Il en reste plus que 3. T'avais vu où le triple tir à GG? Je l'ai marqué ah, ici. Parfait. Ouais, il est assez proche du coup. Pas prendre de risques bêtement. Bon, ça va, c'était un bar, c'était pas ce qu'il y a de pire. Parce que là sur un pass, la fois on a voulu laisser les deux derniers, et puis c'était deux mecs qui étaient au destructeur qui étaient montés où on était. il a réussi à foutre trois personnes à terre. Ça sert à rien de rater une vague pour ça. Enfin bon, quoique si tu t'en fous de rater une vague finalement, c'est une bonne stratégie de faire ça parce que. Tu récupères toutes les énergies de cette vague en fait. Puis tu la recommences, donc tu pourrais récupérer de nouveau des énergies. Il me semble pas que tu récupères les énergies de des fortifications ou des barrières. J'ai un doute. Ah merde hein. Ouais, et j'ai dit qu'on allait trop, que je devais me calmer. Mais. Et pourtant je fonce. Ouais. Non mais là ils font fois du dégât, il y a un autre triple tir. Il y a que les triples tirs, ouais. Je crois. Oh putain ouais, t'as fait comme ça. Touché. Je suis derrière là. Oh, je suis à terre. Oh, je suis à terre. Oh, les gars. Ah, ouais, ouais. Y'a un arrive. Bon Ouais. A gauche. Ah, j'ai plus de lance-grenade, là, il a y'a Sky qui a terre derrière toi. Je vais récupérer l'énergie de Hal. Non, je suis bloqué. Ok. C'est bon. Bon, eh, on a fini la plaisanterie, hein. On peut bien faire. Ouais. Bon, on a plus que 5. Ah là, faut faire gaffe. Ah ouais, là, c'est bon. Bon, j'ai tué le lance-grenade. Ah, y'a un risque. Alors, laissez-le, c'est pas le plus dangereux. Parce qu'il y a pas mal d'énergie quand même par terre, mais. Je sais pas si je suis myope, mais ah, ils sont hauts. Oh, mais il me tire dessus.
Ça t'intéresse les lance-grenades ou une croix ou quoi? Ouais. Attends, y'en a un là, je l'ai vu. Ah, juste... Il y a des grenades frag ici. Ah ouais, si vous voulez poser quelques grenades. Profitez-en. Il y a un triple tir là, je suis dessus. Je récupère un autre triple tir pour pas qu'il disparaisse. Voilà. Comment qu'en fait je me suis tué. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu coller une grenade pour faire un piège, mais je me suis lancé une grenade dessus. Puis après ça, je me suis fait exploser. Ah. Faut que tu la colles avec le B. Ah ouais, mais non, mais comment? Ah, mais je sais pas du tout. Ouais, c'est la touche de corps à corps en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais sur Xbox, donc forcément. Hop. Oh. C'était beau. Bon, bah, du coup, je te raise. Du coup, t'as plein de triple tir. Oh mon dieu! Voilà, oui, bien. Je vais m'énerver là. Hop. Je vais s'avancer, les. Ça va, ça suffit. Oh, j'ai crevé. Ouais. Oh, ouais, là tu. Wouah! Oh la vache! Ah, on est deux à terre. Est-ce Sky est près de vous ou pas? Ouais, bah non, on est tous les deux à terre. Ouais. Moi je suis mort et puis ils sont les deux à terre. Ouais, tu peux venir tout de suite, une fois. Moi j'arrive. Ah, mais Sky est carrément mort, je crois. Ah non, non, il y a encore. Non, c'est bon. Placement libre à... Voilà. On a plus que 3, alors si vous pouvez peut-être essayer de me raise. Attends, bouge pas. Ah bon, je crois que le dernier pas de toute façon. Ouais. Ah non, c'est pas grave. Ah, c'est de ma faute, hein. Je sais pas ce que je foutais là-bas. Je me croyais vagune sans doute. Bon, du coup, moi, là, ça commence à devenir... Je vais rapprocher les tourelles parce que là... Je vais sentir là, parce que... Mais comment ça a été? Ouais. Ça commence. Oh, vite. Il est où? L'overkill. Hop. Hop, j'ai joué à rendre. Les renforts ennemis débarquent. Et un drone en bouillie. Oh merde, il y a maintenant donc. Oh. Par contre, quand tu poses une grenade à terre, faut pas rester à son emplacement parce que tu te fais toucher si elle explose. Merci. Ouais. Merci GG. Merci de l'info. Ah, puis fais gaffe d'un truc que tu peux en poser max de. Fais gaffe, viens avec des. Ah, il est mort. Quoi? Non. Oh. Il est chaud. Oh, c'était moins une. Du coup, il y a un lance-grenade ici. Rendu avec 35 à peu près, ça commence à être intéressant, c'est plus intense. À prochain coup, moi je serais prêt à faire un vétéran pour tester. Ah ouais, tu vas vraiment être 5 quand même pour être sûr. Franchement.
Bon, normalement, le je pense là il avait, je crois, un anniversaire ou je sais pas quoi, une fête. Qui est ça? Le Jim. Bah si Sikai aime ça, on va lui demander après. Mais comment je récupère l'énergie qui est là au milieu, quoi, sur la voiture, ça a bugué. Mais si Sikai aime pas, ça ne fait une personne de moins. Après, tu vois, genre, si Sky est dispo dimanche prochain et qu'il aime, Jim pourra de nouveau, on serait simple. Vétéran, ça doit être quand même plus intéressant. Ouais, ok. Bah, c'est-à-dire que même les premières vagues sont pas évidentes, quoi. Non, bah, c'est ça, le mode normal, les 30 premières vagues, c'est un peu. C'est un peu moyen. C'est... Ah, moi, j'ai l'air de la vengeance, ça sonnait. C'est tout bon. Oh non, j'ai juste pas pris. Oh, il fait ça. Franchement, c'est GG. Je crois qu'il a trouvé une classe qui lui convenait. C'est clair. Ouais, 10 fois mieux que moi, bordel. Qu'est-ce que j'avais l'air d'un couillon quand je jouais sniper, hein. Mais moi ça dépend en fait, des fois je fais des super parties en sniper, puis des fois tu sais pas pourquoi t'arrives pas à viser. Bon, je suis totalement inconstant sur cette classe. Après il y a une question de rythme aussi. Bon, il y a une énergie que je peux pas récupérer, faut trouver... c'est... Ah bah avec la portée de récupération. Ouais là effectivement j'aurais pu... Ah ah. T'as pas bouché à quoi là, hein. Mais bon, normalement c'est pas censé bugger. Je suis d'accord. Ah ouais merde, mais moi j'ai pas mon boltoc. Ouais, je suis mort comme un con. Petit gilet là, c'est tout chaud. Santé. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Y'a un drop shot au fond. C'est bon de ton côté, ouais, ça fait ça. Une arbalète, attention, je vais la prendre. Une arbalète, attention. Tu dis son nom, tu dis attention aussi en même temps, que c'est dangereux. Ouais. Oh mais là je refais le con. Et ouais. Et ouais. Des choses qui arrivent. Ah, j'arrive. Ouais, ça va chier. Ah merci. Ouais, j'ai avancé un peu trop tôt en fait. Voilà. Ah, j'ai mis à terre, c'est parfait. Comme ça, il va rien nous faire et je peux récupérer tranquille. Du coup, si vous voyez un boltoc, je suis preneur. Boltoc, Kaomax, Destructeur, Destructeur. Putain, ils ont tous leur Destructeur, quoi. Bon, attention, vague boss.
l'avant-dernière. Attends, Baltoc, toujours pas? Non, non, je trouve vraiment pas avec du KO Max. Ah, j'en ai un, moi, mais. Ouais. Non, non, garde-le. Je vais hein. Booster les. Passer un. Au moins une tourelle en niveau. Une cape seulement. Ah bah voilà. Du coup derrière Mac. Voilà. Ah, je vais le prendre, mais je vais le prendre dessus. Le faire Mac, c'est carré. Ouais, je tombe. Ah, je trouve que c'est le pire, parce qu'encore le transporteur, ok, il détruit très rapidement les constructions, mais ce machin, il te fait tellement de dégâts aussi. Oui, il est déjà mort. Sérieux? Il a fait de là. Ah non. Et ouais. Non mais... Bah oui, c'est le deuxième. Quelqu'un a revu Sky? Je crois. Il est là. Merde. Pourquoi? Je suis mort. Ah ouais, je l'ai vu. T'es où? Alors, non mais je suis mort, mort. C'est où? Bah c'est tout à fait. Ah il est mort. Merci. Il y a deux vermags d'affilée quand même. Ouais, parce que quand on tue un boss alors qu'il reste encore beaucoup d'ennemis, il reste. Il est vraiment réapparu tout de suite après. Ouais, je pensais pas que... je pensais qu'il y a quand même une petite latence avant qu'il réapparaisse quand même. Et du coup. Il y a un boss kill au fond. Ouh là, le headshot Sky, mec. Quel BG. Mon gosse. Oh, j'ai la score du démon. Pas mal. Bon ben, après pour les 10 vagues, il est plus hard. Enfin bon, les premières ça va quoi. Ouais, les 5 premières ça va. Le mets autant que tu veux que tu peux, fais-toi plaisir. C'est beau mec. Vous amusez bien. Vous êtes vraiment en fusion tous les deux. Oh la vache, mais combien de temps pour recharger ces barrières rouges là? Oi oi oi. T'as le bonus de réparation du réparateur. Bah ouais, 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 il a fond. Parce que c'est le truc un peu obligatoire, mais même à fond, ouais, ouais, ouais. Quoi, tu aurais parlé en tout. Je n'ose même pas imaginer combien de temps il faut pour de recharger son truc, quoi. 10 minutes. Allez voilà. Bah, en fait, c'est vraiment ça le problème des trucs niveau 4. Ah non, c'est que... ah. J'essaie de te courir. Il y a un rush tank qui a complètement bugué. Ouais, c'est bon. Voilà, bien, là, écoute. Voilà. Faites gaffe, il y a un reste à quoi. Directement. Dégage.
Hôpital Bonzi avec les rejetons dessus. Oh ouais, bah là c'est des là, c'est tourelles, hein. Merci les tourelles. Du coup j'ai toujours la même interrogation, hein, si vous, vous voyez un Boltok. C'est la classe bon, des paresseux, la classe de Al-Bendi. Voilà. Le mec a pas besoin de jouer, il fait juste réparer les tourelles. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh bah dis donc. Oh lâche. Super. Bon, allez, ça commence à me gaver. Quand il marque, parce qu'en total de l'équipe, il marque nouveau record d'équipe, c'est notre nouveau record dans cette carte en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. T'as un Boltok là, ça t'intéresse? Ah, il est où, il est où, il est où? Il est là. Oh. Non, c'est pas vrai. Oh, merci. Il y en a un autre là. Ah bah attends, sur H, je prendrai pas le temps, tant pis, prenez-le si vous voulez. Je rechargerai la prochaine. Du coup. Non, ne vraiment surtout pas faire le con. Oh non. Oh. Oh là là, mais Sika il tue tout. Il n'y en a plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Ah oui, c'est vrai, je l'ai en vue. Tu l'as pas. Rampe toujours, c'est pas ça qui te sauvera. Du coup, les trois derniers. Où est-ce que je suis? Ah, ok. Thanks. Tu peux le finir? Allez, fais-toi plaisir. Boum! Un recharge de tête. Plus que 30 secondes. J'ai trouvé des munitions. Tu caves une grenade fragmentation.
Bon, du coup, je suis presque fou dans tout. Ouais, je te mets une tourelle derrière toi pour te couvrir au cas où. Parfait, merci. Ça doit faire au moins 20 vagues que j'ai pas tiré à tout coup. Allez, on va m'amuser un peu, parce que là j'en ai marre. Bon. Oh la vache. Il tape bien là, Sky. Ah c'est... On reste plus de 4. Oh! Ah! Il y en reste un, faites attention. Ah. À moi. Boltok ici, elle est où? Ah moi je suis full mino Boltok. Ah d'accord, ok. Prenez seulement. C'est le dernier, faites gaffe. Bon bah à partir de là ça va plus rigoler. Mais ah non.
Ça rigole plus. Oh, yeah. Ouais, y'a un gardien là. Merde. J'arrive. Ah non, y'a Albany. Gourde de touche. Non, non, je me gourde de touche. Merde, c'est remis sa protection. Il est mort. J'ai marqué un drop shot. Ah ouais, je la vois. Ah, je me suis fait avoir. J'arrive. Merci. Range. Bah du coup plus que 3 vagues. Moi comme d'hab je suis dernier dans la classe. Oula. Ils font mal les fleurs arrivés aux dernières vagues. Ah c'est fou. Ah ouais les... avec leur rambard là. Il reste plus 4. Ah merde. Heureusement. Non mais c'est parce que je sais qu'on a beaucoup de pognons, je veux pas qu'on soit trop fort pour la dernière vague. Pire c'est que c'est pas fou.
Mais un temps infini. Oh là 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 là. Oh, c'est grave. Oh mon dieu. Ah, c'est bon. Tel drop shot. Il est où? Ah ouais. Il est mort. Oh bien joué. Sky l'a eu. Mais il y a une tourelle manuelle derrière qui a plus de mine. Ouais. Oh, il y a de nouveau un drop shot là. Il est mort. Oh, il y en a déjà plus que 4. Ah, je me suis tué moi-même. Ah, mais t'es à terre, Sonia. GG, t'es près de moi. Bah, je me suis tué. Aïe. Il a volé R4. Ah, ouais. C'est bon. Bah, attends, j'y vais en plus, moi. Si pas de la main, elle me tue. C'est bon, j'ai tué le faux. Oh, bien. Il est tué. Ah zut! Oh non! Ah t'es mort mort! Ouais, je suis mort. C'est bon, j'ai pas compris. Côté, côté gauche de la cabane. Le dernier, si tu le payes, il est pas dangereux.
Ouais. Au bâton. Ah, il y a de nouveau une énergie. Non, 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 non. Je vais y faire comme, comme toi là. Prendre un bolt up quoi. Je de mon récupérateur. De mon réparateur, pardon. Oh, PG a fait une clé schoolgirl. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Oh, de toute façon, il y a intérêt que quelqu'un prenne parce que moi, si j'upload la vidéo pour ce soir, il y a un mec sur le camp qui regarde la vidéo et qui va avoir la clé puis il a rentré. Ah ouais, ouais. J'avoue. Du coup, si tu peux juste réparer cette tourelle manuelle. Ah ouais, j'arrive. Et pourquoi il veut pas? Bah. J'aurais pas à marquer cette tourelle, c'est chelou. Oh, un transporteur. Vas-y, prends-la, prends-la. Là, il y a Sky à terre. J'arrive. Bon, je fais un aim. Ah, je peux pas, attends, bouge pas. Hop. C'est parfait. Un 3 alors. Shot. C'est bon. C'est bon, il est mort. Oula, oh, t'as fort à faire là. On reste plus que le boss pratiquement. Ah la vache, par là. Attention. Reste plus que le boss. Ouais, et il est là. Ok. Donc ici. T'es mort Oh la vache. Mortel ou quoi? Non, il est mort. Ah, yes. Ma zéro va gratter donc. Ah ouais, GG. Prochain coin, on essaiera un vétéran. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Surtout s'il y a Jim. Si on est 5, bien sûr. Bah, si on est 5, quoi, y'a pas de soucis. À 4, 5, c'est d'être un peu juste quand même. Ouais, surtout que je sais pas encore de level 10 comme classe. Ouais, enfin bon, y'a pas besoin de level 10, tu vois. Après, déjà, non, level, 3, 5, level 5. Ouais, level 3. Enfin, level 3. Alors, ouais, 3 level cartes, 5 déjà, c'est. Ouais, 3 cartes, ouais. 3 cartes, c'est très bien déjà. Bon, bah, c'était cap. Putain, je suis monté une chaîne. Bon, on met ça dimanche prochain ou quoi? Ouais, de nouveau à yes. 16h. Ouais. Comme ça, on doit reporter 17h, ça va? Non.
Ouais, entre 16h et 17 pour moi ça va. Ouais, je finis de prévenir et puis c'est bon hein. Ok, bah alors on peut faire ça. Ah, moi aussi ça me va. Ça roule. Bon allez, à plus tard les mecs, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ciao, à bonne tous soirée. Et à la prochaine. Salut. Ciao.